Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour, docteur. Salut, Léo. Comment tu vas? Bien, t'es venu me voir? J'ai mal à la gorge. Oh, ça c'est nul, hein, d'avoir mal à la gorge. Ça fait déjà longtemps. J'adore le métier ici en Anniviers parce que c'est très très varié comme médecine. On fait de tout. La traumatologie, pédiatrie, gynécologie, médecine interne. Mais ça, on devrait quand même faire. Je ne veux pas faire ici cette densitométrie. Hein. Je dois aller. Ouais. J'obéis. T'obéis. Mais ça me fait plaisir. Comme ça, ici, c'est sur Stéphane. C'est les vacances des enfants. D'accord. Après, je file à la maison parce qu'il y a Lulu qui vient manger. Ouais. Tu viens aussi? Puis moi? Oui, ben moi si j'ai le temps, je viens, mais si j'ai pas le temps, je viens pas. Tu fais quoi? Hop. C'est quand même plus profond que ce qu'on pense, hein, quand on... Okay. On a déjà toute l'année assez de travail, en hiver, ça se décuple quasi. Dis-toi, le problème de relève ne se pose pas qu'au Val d'Anniviers. Hein. Chez la vallée voisine, il y a 3 médecins qui ont au-dessus de 60 ans. Donc le problème est aigu. Les médecins, on doit faire quelque chose, on peut faire quelque chose. Deuxièmement, je pense que les politiques doivent aussi se réveiller. Les communes doivent se poser une question de santé publique et même plus de sécurité publique. Hein. Il n'y a pas que les paravalanches pour la sécurité. Il y a aussi les médecins dans les vallées. Allô, allô. On va aller faire la radio du poignet et puis après on va regarder au niveau de la main ce qui se passe. Attends, c'est quoi? On va démarrer la croix ici. Mais j'ai quand même mal. T'as quand même mal. Hier soir c'était la grosse crise quand même. Je descends un petit peu. Ah là oui. Va, t'as mal. Ah. I still feel a bit of drowsy, tired. Do you know your birth date? Yes.